si j'avais ça dans la poche de ma veste. Quoi ? Non ! Non ! Pitié ! Je vis déjà une journée de merde, et toi t'en remets une couche. Oh, ouais. Oh. Quoi? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là! Putain d'antiquité, donne-moi ce paquet! Je veux mes cigarettes! Très bien. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Hé, Charlie! Ouais? Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Toi, je te retrouverai plus tard, avec un putain de pied de biche. T'es avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? Hé, hey, j'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te fie? Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi? Rien. Une minute et je suis à toi. Tu vas me faire croire que là, il n'y a rien qui te tape sur le système? Oui. Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif? Je prépare mon matériel. Vraiment? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque... Je t'ai vu tourner en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Allez, on tourne ce plan. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Tu illumineras l'image, je m'en fais pas. Tu dis ça pour me rassurer? Oui. Et ça marche? Ça marche pas mal. Ouh, c'est déjà ça. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai largué? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien... C'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Ça va être la Golden Hour. On va se trouver un bon spot. Je sais pas ce que les photographes font tous avec ça. Ça dure à peine 15 minutes. Eh bien, ça dépend. Si tu as le bon réflecteur... C'est 15 minutes au grand max. Bon, trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Merci d'être là. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts. On va où? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Alors, la... Waouh, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Autant la thérapie de couple est bénéfique,
Autant les règles imposées sont débiles. J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois, à attendre de trouver l'appart parfait, avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus, ou... On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Ouais, t'as raison, ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Et si du maître nous surprend ici, est-ce qu'on en fera une de ses règles? Merde! Ça m'a foutu les jetons. Il doit y avoir un moyen de sortir. Non, mais t'as vu ce papier peint ? Plus vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Je m'attendais à une façade d'époque, mais une déco moderne. On dirait que Dumet essaie de préserver le passé. Ça doit être galère d'être aussi isolé. J'aime les vieux machins, comme tout le monde. Mais il faut... Tout ça va moisir. Le moisi, c'est ça. Quoi ? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi. Vieille demeure. Des poissons morts sur la plage, des bestioles dans les bois... Là, la clé. Faut qu'on trouve comment passer. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez fait vos devoirs, hein, agent spécial Monday? Quelles sont mes émissions de télévision préférées? Mon premier animal de compagnie? Est-ce que j'avais des amis quand j'étais petit? Qu'est-ce que c'est? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi? Ça vous tuerait d'y aller franchement? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré, comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henry Howard Holmes. Pourquoi? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des États-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence, vous comprenez? Renseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'un pauvre type. J'ai... prétendument... tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus.
Keep your head down. This should work. Marc, est-ce que tout va bien? Je reviens tout de suite. This.
gagné. Oh, la vache. Arrête un peu. Ça va, c'est pas si haut. Mon vertige n'est pas de cet avis. Je vois pas ce qui t'inquiète, Miss, toujours prête à tourner. T'es superbe, comme toujours. Kate, regarde ça. Son chapeau. À qui? H.H. Holmes. Putain! Tout va bien? Non! J'ai... Ce putain de truc a surgi de nulle part. Putain. Tu le vois? Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'animatronique? Ouais, et du genre plutôt flippant. Ah, il va pas te tuer. Toi aussi t'as crié. Toi t'as crié deux fois. Hé, Charlie, il est 20h!
À table ! Fais chier ! On n'a rien filmé. Il y a encore le temps. Allez, mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Hé, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Les filles et moi, on en a marre de vos disputes. Et moi, j'en ai marre de ces prises de tête. Il est jaloux. Jaloux ? Oui, il est vexé qu'on m'invite sur les plateaux télé et pas lui. T'en fais qu'un de plateau. Non, le truc, c'est que c'est moi qu'on voit à l'écran. C'est à moi qu'on veut parler et ça, il supporte pas. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard ! Non mais... Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate ! Cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de Lonnie Entertainment. Je pensais que... qu'on partirait ensemble, comme une équipe. Marc... c'est pas ta passion. C'est juste un taf comme ça, en attendant de te faire un nom dans la photographie. Tu peux pas... Je sais. Je déteste tous ces documentaires à la con. Charlie n'y connaît rien en cadrage, et je parle même pas de ses scripts. Alors laisse-le tomber. T'as raison. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça, toi aussi, et les autres aussi. Kate ! Marc ! C'est servi, vous venez dîner ? Oui, on arrive ! Parfait. Il nous a entendus ? C'est évident, Marc. Salut! Je nous sers un peu de vin? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumette? On ne devrait pas l'attendre? Vas-y, sers à boire. D'accord, on se calme. On vient d'arriver. Laissons-lui un peu de temps. C'est notre hôte. Ce serait pas la première fois qu'une source interne dégotée par Charlie nous met dans la mouise. Arrête, Kate. Eh oh ! Monsieur Dumette ? À table ! Oh, Monsieur Dumette ! J'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas ? Dumette ? Ouais, il viendra pas. Hein ? Mais pourquoi ? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jamie ? Il est parti à bord du ferry. Quoi ? Quand ? On venait de monter dans nos chambres. Il est... parti ? T'es sûr ? Mais non ! Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Ça doit être sa fille, non ? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille ? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, pourquoi il est parti ?
Donc il n'y a plus que nous ici. Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? Il a sûrement une bonne raison. On ne sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et comme il livre pas sur l'île... Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça? Bah, réfléchis. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non pas que je veuille te donner raison, ça... Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce Dumet est trop louche. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jenny. Tu veux bien arrêter d'en rajouter? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on fait semblant de manger? C'est quoi le plan, Charlie? Peut-être que si on reste tous assis là bien sagement et qu'on fait un vœu très fort... La bonne fée de la post-production montera l'épisode à notre place et s'occupera de l'envoyer à la chaîne. Levons nos verres à la bonne fée de la production et au plan de Charlie. Je voudrais porter un toast. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc, telle ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Marc et Jamie. À vous deux qui toujours travaillez comme 10. Et à Kate. Malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. Et enfin, à notre dernière recrue, Erin. Sache qu'on serait perdu sans toi. Qui d'autre saurait se souvenir de chaque petit détail? Merci à tous pour vos efforts. Santé. Santé. À nous. Mazel tov. Les images qu'on va tourner... On a de quoi donner un nouveau souffle à cette émission. Ouais, si on arrive à tout boucler. Ouais, il nous a entendu. Ah, s'il nous avait entendu, il aurait jamais dit tout ça. C'est peut-être pas le moment idéal pour avoir cette discussion. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Rien d'important, on échange des idées. L'épisode aurait encore plus d'impact si on filmait Kate dans un décor flippant. Ça devrait le faire. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que Dumet se fasse attendre? Ouais, je crois qu'il viendra pas. Par quoi tu veux qu'on commence, Charles? C'est toi le boss? Merci. Le plus logique serait de commencer par le hall. Il y a encore une belle lumière et, symboliquement, c'est par là que tout commence. Dans le château des meurtres. Avec la lumière naturelle, deux ou trois appoints suffiront. On pourrait donner l'impression que la pièce est éclairée au gaz? Parfait. Et si Dumet se pointe? S'il nous demande d'arrêter, je lui ferai une petite mise au point. C'est lui qui nous met dans la mouise. Très bien, allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulette. On se tient bien. Si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Ou de nous écharper. Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Formidable. Ravi de l'entendre. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. Bien.
Bien. Y a quelqu'un ? D'accord. Commence par mettre ton casque. Yeah.
combattre ton femme. S'il te plaît, essaie de te détendre. Tu as considéré que ce sont des vacances, loin de tout. Oh oui, c'est vrai. On va tellement adorer ces animatroniques épouvantables. Ou la bibliothèque des tueurs, ou... Est-ce que tu t'entends pas? Quand j'ai peur, elle me met du beau. Bordel! Le disjoncteur. Merde. Oh oui. Monsieur Dumette ? Il serait temps de passer au 21e siècle, les gars. Parfait! Je me retrouve seule dans le local de maintenance flippant d'un hôtel hanté sur une île perdue pour filmer un documentaire sur un tueur en série et sans mon taser. Oh, les choix, Jamie. Tout est une question de choix. Tout est de ta faute. Thank you.
Merci Seigneur, quelque chose du 21e siècle. Attention, un avis de tempête vient d'être émis concernant la région des Grands Lacs. Risque de vent violent et de fortes précipitations aux alentours de 22h. Je répète, un avis de tempête vient d'être émis J'hallucine. Pour construire mon propre petit château, tout comme Holmes.
La plupart de mes semblables travaillent dans l'environnement de leur cible, au risque de se faire bêtement couvrir. Holmes avait tout compris. Tout est dans la méthode d'approche. Vous m'avez apporté des cigarettes, comme je l'ai demandé. Des Lucky Reds? Ouais. Ah, ça vaut de l'or par ici. Ah, oh, ça fait du bien. Je disais... Ouais, l'approche. Holmes a bâti un hôtel, pas loin de l'exposition universelle. Et l'a appelé l'hôtel de l'exposition universelle. Il a acheté des encarts dans les journaux, à côté des pubs pour l'exposition. Et les péquenauds de tout le pays ont cru qu'il s'agissait de l'hôtel officiel. Les époux Kittle ont pris un train depuis le Nebraska. 3 jours de route, et ils s'arrêtent à l'hôtel pour enfin se reposer. Ils prennent une chambre, et... Oups! Devinez quoi? Holmes diffuse du gaz juste sous le lit et il les asphyxie. Ou alors, il ouvre une trappe sous leurs pieds. Peut-être qu'il les sépare et en oblige un à regarder à travers une vitre pendant qu'il égorge l'autre. C'est l'avantage d'une bonne méthode d'approche. Les cibles ne manquent jamais. C'est ce qui m'a poussé à choisir les maisons au nord de l'aéroport. Le quartier était pourtant promis à la démolition, mais les demoiselles des agences immobilières n'avaient pas dû recevoir l'information. Il suffit de se faire passer pour un entrepreneur en colère. On se donne rendez-vous sur place, et comme par hasard, nous sommes les deux seules personnes aux alentours. Les premières fois, j'attendais qu'un avion passe pour couvrir les hurlements, mais au bout d'un moment, j'ai compris. Elle pouvait crier aussi fort qu'elle voulait. Personne n'entendrait rien. C'est ce qui m'a le plus marqué. Les hurlements. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi je suis ainsi. Vous pouvez demander à vos experts de passer les données au crible. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais, Monday. Vous ne saurez jamais ce qu'on éprouve réellement. Quand on regarde la vie s'éteindre dans les yeux de l'autre.